Monsieur Boussuge se prépare avec folie, mais il y a encore 5 minutes pour le parcours faisable. Tu es impatient, hein. Tu es impatient, hein. Tu es impatient. C'est où, je pense que l'autre doit être sage à l'envol. Je vois qu'il a le pistolet. Oh, mais moi, c'est... Je vois qu'il a le pistolet, il a tout. Il a tout, mais c'est des chiens, c'est des... Doucement. Ah, allez, assis. Tu en as fait confirmer, chérie ? Non, moi je rentre que celui-là. Je te paye un repas, Mimi. Ah bon, merci, Gordon. Va. Est-ce que tu veux lui mettre le ballon? Donc, c'était anglais femelle, Bianca, 6 ans. 6 ans. D'accord. Voilà. Alors, elle a déjà compris ça fait, je vais vous dire combien, ça fait 8 ans qu'elle fait. Oui, mais l'année dernière, vous l'aviez l'année dernière. L'année dernière, je l'avais, oui. Elle a une petite qui passera juste après, je pense. Vous connaissez le travail qu'il y a à faire, donc. Ouais. C'est un peu quitté que jusqu'à présent, on voit pas beaucoup de chiens croisés, tout ça. Des chiens qui n'ont pas croisé Oui, vous pouvez y aller. On a un temps, j'ai le temps là où... Oui, vous avez combien, 10 minutes normalement. Ok, d'accord. Ouais. Ah ouais, mais il ne faudrait pas qu'il monte là-haut directement. Allez, Bianca. Allez, c'est parti. Bianca. Allez, go.
toi. Hein. Viens quand même ici, toi. Hein. Non. Non, hein. Ah ouais, même, ouais, bien croisé. Bien croisé. Ouais, ouais. Je vais surveiller la fournie avec le chasseur, et plus tard, il est tourné, il n'a pas bougé, il écoutait. Ce qu'on attendait, la vôtre, voilà. Et ouais, mais... Ouais, j'arrive les premiers, comme dit Patrick. Hein. Ça, je vous le garantis. J'arrive de vacances, je peux pas être partout. C'est pas grave. Il n'y a pas mieux. C'est pas grave. Une épagneule breton, sexe femelle, qui a 19 mois, qui a, ça fait 15 jours qu'elle est chez moi en dressage. Ah, d'accord. Donc elle est pas sage, elle est pas sage à l'envol, ça c'est sûr, mais elle est sage à l'arrêt. À l'arrêt. Bon, voilà. On va voir. Donc, je vais vous la montrer quand même. Au niveau de la quête, on va voir aussi. Je l'ai présentée parce que c'est une cliente qui m'a fait passer à Mende et elle a eu assez de beauté, voilà, pour faire de la production. Voilà. Je dis elle à l'arrêt. C'est bon, Gilda ? Allez, on va le travailler un peu. Allez, 4 grosses avec Candy, de cet éranglé de 5 ans, qui est né le 1er juin 2007, et c'est un numéro de tatouage, c'est 2FPW550. D'accord. Voilà. Alors, on va essayer de voir si. Si on voit un faisan ou si on n'en voit pas. Mais pourquoi pas, il y en a. Bon, d'accord. Oui, par contre, maintenant, moi, je vais regarder l'heure. Et on attaquera après. À partir de ce partir. Alors, comme vous voulez. Et bien, 45 000. Et bien, à 11h, on arrête. Allez, c'est parti. C'est parti. Pas bouger. La troule est là. Pas bouger. Je pense qu'on a passé une très bonne journée sous la canicule et heureusement on a fini un peu plus tôt que d'habitude. Voilà. Donc j'excuse pour l'instant monsieur le maire qui j'espère peut-être nous rejoindra. Je dois remercier plusieurs personnes. Alors là je vais demander un peu comme m'aide parce que je vais en oublier, je vous le redirai au fur et à mesure quand on nous donne les lots. Mais je remercie tout particulièrement, alors j'essaie de les prendre dans l'ordre, déjà Pierre Catévras pour le trophée. C'est-à-dire que cette année, on a un superbe trophée d'écassant qui est très très beau. Donc je suis content d'avoir participé, puisque finalement, c'est moi qui l'ai gagné. Mais ça... Oui.
Ensuite, dans l'ordre, je remercie la boucherie Prunière. Donc, pour vous en parler un peu, c'est toute la charcuterie que vous avez mangée en début de repas. Donc, la boucherie Prunière, elle est à Seychelles, en bas de Seychelles. N'hésitez pas à y aller, et en plus, si vous y prenez assez de viande, peut-être que vous pourrez tuer un sanglier sur Saint-Alban. Mais ça, c'est pas gagné. Voilà, donc, en tout cas, merci à la boucherie Prunière. Joël Guéry, il est où? Est-ce qu'il faut te remercier? Donc Joël, pour la petite histoire, nous a donné la moitié des lots, quoi. Notamment les croquettes, je vais surtout faire la pub pour les croquettes. C'est vrai qu'ils vendent des croquettes qui sont très bonnes, qualité-prix, j'ai rarement trouvé mieux. Moi j'ai mes chiens, ils sont en parfaite santé, ils sont beaux. Quand je participe, je gagne tous les concours, je ne sais pas si ça vient des croquettes ou pas. Cette année, je n'ai pas pu, je me suis coincé le dos. Hein. En tout cas, merci Joe pour les croquettes, les colliers, tous les petits lots qui vont avec. Et si vous en voulez, donc 3615 Joël Guéry à la Rouvière. Michel Servin qui nous a aussi donné un sac de croquettes. Je risque d'en oublier, mais Dédé Cuminal qui nous a ramené un sac de croquettes de là où on se fournit pour l'élevage de lièvre, je pense, de l'épi à Saint-Chély. Les bouteilles de vin, c'est Séguré de par Christian Seit. Vous verrez de nouveau la boucherie Prunière qui nous ont donné quelques lots pour les barbecues. Et tous les fruits que vous avez pu manger, c'est Ventalon. Donc Ventalon à Saint-Alban, Ventalon à Aubon, Ventalon partout. En tout cas, chaque année, c'est lui qui nous offre tous les fruits pour le dessert. Voilà. Est-ce que j'ai oublié du monde parmi les lots? Parce que bon, les remerciements pourraient être longs, vous le comprenez. Je remercie la Fédération départementale sous la présence de Bernard Bergogne. Parce que pour la petite histoire, il nous offre 150 euros pour pouvoir organiser le concours. Et quand on sait que l'an dernier, on a fait 120 euros de bénéfices, heureusement qu'il y avait la Fédé. Donc si tu pouvais leur dire qu'il faudrait la monter un peu. Ça serait sympa. Voilà, donc je vous propose de passer au résultat du concours. Il m'en faudrait quelques petites mains volontaires pour me faire passer les lots, les coupes habituelles. Tu viens, s'il te plaît. C'est qui a levé la main, toi? Des demoiselles? La fille à Joe, Ophélie, elle est où? C'est qu'elle se cache? Elle est partie. Ah. Tu vas faire la bise à tout le monde, c'est un peu dommage. Hein. D'habitude, on a les demoiselles, Sandrine. Tu veux pas, donc? Allez. Sandra, tu laisses tomber Christian, on t'appelle. Il y a Bernard Bergogne qui veut la bise, comme à chaque fois. Donc avec deux systèmes de notation, un pour les jeunes chiens, un pour les anciens. 19 jeunes chiens cette année, 19 chiens adultes et 2 jeunes chiens. Donc plus de chiens que l'an dernier. Voilà. Donc au niveau du classement, par rapport au parcours Perdreau déjà, pour vous dire au niveau du parcours Perdreau, c'est-à-dire celui qu'on avait en face, j'ai sorti juste les 3 premiers pour vous donner une idée. Donc le premier, par rapport au système de notation des juges, à un demi-point près, c'est M. Fraisse avec RK, qui a été premier du concours Perro. Le deuxième, c'est Pierre Capébras avec Vénus. Et le troisième, c'est de nouveau M. Fraisse, avec Vulca. Et la différence est importante, parce qu'après ça se joue sur le parcours faisant. Et alors si vous êtes malin, vous allez comprendre rapidement c'est qui a gagné. Puisqu'il y en a 3 qui ont pris 18 sur le faisan, c'est-à-dire 3 qui ont levé 6 faisans, avec vraiment 18 points attribués par les juges. En la personne de M. Catébras avec Vénus, de M. Meignier Stéphane, alors j'ai pas le nom du chien. Coyote, pardon. Et de M. Fraisse, mais avec Vulca. Donc, un calcul rapide, ça fait que le premier du concours général cette année, avec 34 points, c'est M. Catébras Pierre avec Vénus. Un demi-point. Voilà. Donc, Pierre, je te demande de venir. J'ai la joie, l'honneur et l'immense plaisir de t'offrir un magnifique trophée. Bien. C'est gentil. Si vous voulez bien me prendre le trophée de la Bécasse, je vous rappelle qu'il a été offert par Pierre Catébras. Et du panier garni offert par la boucherie Prunière. Ah, c'est ça. Ah, c'est bon. Si c'est bon, n'hésite pas à y retourner. Je vais faire la bise. Hein, bon.
Merci. Alors, pour la photo, je vais quand même prendre ça. Félicité au président. Et comme je vais te dire, j'offre ce lot au président qui nous fait chaque année bien régaler. C'est offert et de bonne joie. Alors là, je n'y attendais pas. J'ai dit, celui-là, je ne le reprendrai pas et je l'offre de bon cœur. Un bisou à 20 bisous. Merci beaucoup et je suis très touché. Avec plaisir. Avec Vulca, il y a un total de 33,5. Un demi-point. À savoir que si c'était RK qui avait fait le résultat des Fosas, un demi-point. Après, c'était le premier. Voilà. Donc, monsieur Prince, avec une coupe, je crois, aussi remise par Pierre Catévois. Et un sac de croquettes offert par Joël Gury. Voilà, merci. À savoir que c'est quand même des personnes qui... Là, restez là. Que c'est quand même des personnes avec M. Abreville hein, qui nous arrivent du plus loin et depuis plusieurs années. Approche-toi. Là, comme ça, là, c'est tout bon. Ouais, moi, c'est tout bon. Merci. Allez, le troisième. Donc, avec 32 points, après, vous comprendrez que je vais aller jusqu'au cinquième, je vais vous donner des points. Sixième, après, je vais aller un peu plus vite. Et on retrouve M. Catévois, avec Andy. Allez, changez, parce qu'il ne va pas faire la mise toujours la même, quand même. Ah. Ah, tournez-vous. Quatrième pour Yann Patrick. Top, profite pas. Président, mets-toi là. Top. Ah, c'est bon. Merci à toi. Alors, le quatrième, avec 29 points. Philippe Dubois. Non. Pour la petite histoire, Philippe Dubois avait fini dernier l'an dernier. Et là aussi, non? Non. Oh putain! J'en progrès. Non. Par contre, c'est Meunier Stéphane, le quatrième, avec 29 points. Bravo. Et vous gagnez un tampouille. Tournez-vous, attends. Tournez-vous. Restez là, les quatre. Top. Top. Eh, reste là. Non, reste là. Il n'y a pas le fou là. Les filles. Ah, ben non, attends. Au moins de chaque côté. Non, plus sérieusement. Les pompons bleus. Top. Là, comme ça, voilà. C'est du boulot. Merci, mademoiselle. De rien, monsieur. Alors ensuite, je vais en appeler deux, puisque j'ai deux ex-aequo, le 5 et le 6, avec 28,5. C'est là que je vous ai dit qu'après j'arrêterai de dire les points, après le 6e. On retrouve M. Fraisse avec RK, puisqu'il avait eu un très bon parcours d'ailleurs sur le terreau. Et M. Trosselier, Marc. Il est pas là, il est parti. Marc, il est parti, tu veux lui prendre? Ouais, Top. S'il vous plaît, puisque tu le représentes. Eh bien oui. Tu diras, c'est bon. Tu lui prends son lot, s'il te plaît? Tu lui prends son lot? Alors après 7 et 8, de nouveau deux ex-aequo, ce qui est surprenant, mais cette année il y en a pas mal. Et j'appelle M. Fossier avec Fanon et M. Bergogne. Avec Chouki. Avec Chouki, parce que c'est quand même Chouki qui a fait le boulot. Merci beaucoup. Donc avec un kit spécial grillade offert par la boucherie Trunière à Saint-Gilles. Top. Félicitations. Merci. Top. Par contre, à partir de la 8e, on va te faire la mise.
Top, top, top. Bernard, ma femme, Bernard. Top, 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 top. Allez, là, voilà. On va pas de bon mot. Top, 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 top. Tu vas plutôt la faire, moi. Allez, top, 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 top. C'est bon. Voilà. Bernard, tu m'en fous pas, Bernard. Merci, hein. Bernard, tu m'en fous pas, lui, là. Non, non, non. Quand je disais que cette année, il y avait plusieurs ex-échos, on retrouve 9 et 10, c'est les derniers ex-échos. Monsieur Chadela et mon cher Tronton. Oh, Tronton, voilà. On en est à 26 points et demi. Même si j'avais dit que je le dirais plus. Merci. Non, vous restez là. Vous restez là. Monsieur le Président, merci. Bravo. Top, 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 restez là, restez là. Félicitations. Non, si vous voulez. Donc, normalement, vous avez une radio offerte par Joël Gury, un collier pour les chiens offert par Joël Gury, pas mal d'insignes Citroën et tout, mais. Top, 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 top. Joël Gury. Des croquettes, c'est plus une voiture. Il est sponsorisé par Citroën grâce à, au prix des croquettes. 11e. Ah là, je suis impressionné, quoi. Boyac Claude. Oh, avec qui? Avec Dico? Avec un chien sans papier. Dico! C'est... Parce que, pour la petite histoire, ça reste un concours amateur. On tient à ce côté amateur. Effectivement, depuis des années, depuis que c'est créé, c'est des chiens à papier qui ont gagné le concours. Mais il y a des personnes, en l'occurrence c'est M. Pauillac, qui est aussi fier de son chien sans papier que ben, nous, comme moi, qui est que des chiens à papier. Voilà. Donc, bravo, bravo. C'est clair de croire à ton chien. Je crois que la bise. Top, 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 top. Allez, approchez-vous les filles. Oh, non, sinon, mon frère, sinon, on va faire une maladie. Moi, l'année prochaine, je suis le concours. Le chien de la merde. Oh, on va faire le concours l'année prochaine. Allez, le 12e. Un collier qui va partir à Espagnol. Monsieur Dabreville. Top, 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 top. Merci, top, 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 top. Bon. Et merci d'être aussi fidèle. Si vous voulez. Top, 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 restez là, restez là. Accueilli de cette façon. Restez là, restez là, restez là. Monsieur, monsieur, restez là. Et pour la petite histoire, si certains n'ont pas vu, parce que j'ai quand même vu la prestation, mon déchet, l'annonce des Espagnols, c'est lui. Donc si ça intéresse quelqu'un. Merci. Yes. Yes. Ensuite, 13e, Monsieur Boussuge. Qui nous a fait une très belle prestation sur le perdreau. Parce que l'air de rien, le premier, c'était Monsieur Fraisse avec 16,5. Et tu as quand même 15 au niveau du parcours perdreau. Donc c'est dommage que tu n'aies pas trop trouvé les faisables. Mais au niveau parcours perdreau, on va dire, tu es très très bien placé. Là, si vous voulez, si vous voulez. Merci. Merci à toi. 14e, monsieur Fossier de nouveau. Alors ce coup-ci, c'est avec Gilda. Du vin offert par monsieur Seit, je sais, mais je ne sais plus par qui après. Par là. Monsieur Pic Maxime, qui encore avant-hier était à l'hôpital à Montpellier, durement blessé, puisqu'il nous arrive tout droit de l'étranger, il est engagé, militaire, et il a laissé un œil dans la bataille. Salut, Chic, bonjour. Félicitations. Et merci pour le max de glaçons. 16e. Papy. Monsieur Dubois. Donc, monsieur Dubois. Pour une petite histoire, parce que les années se suivent et ne se ressemblent pas. Une année, le gagnant du concours a été monsieur Fossier, Gérard. Ouais. Qui m'a dit, moi, si je gagne le concours,
Oui, mais moi je le fais pas, moi. Je traverse le caravane. Monsieur Dubois vient de rentrer dans notre bureau, notre cercle du bureau. Tout nouvellement élu. En principe, chaque membre du bureau. Oui, t'as du bon. Nous fait la traversée du lac. Ouais. Donc, on te félicite et qu'est-ce qu'on aura fini. Fifi, en slip. Merci Philippe. De rien, merci. Dix-septième, c'est mon chien. Mais bon, mais il était malmené. Poya Claude. Mais l'an prochain, il sera bon. L'an prochain, il sera bon. Je te fais la bise à toi. Retourne-toi, Claude. Viens ici, mon petit Hugo. On a une photo du compte-chien. Voilà, petit fils. 18e, monsieur Boussuge, avec folie. Sur la différence, sur un système à points comme on fait, avec 6 points à chaque faisan est énorme. Ce qui fait que, sans surprise pour les deux participants qui le savent, le premier avec quand même le chien de 4 mois et demi, le plus jeune chien de l'année, le juge est parti, mais il me dit, par contre c'est clair que 4 mois et demi, d'avoir chassé comme elle a fait, il y a un côté impressionnant. Voilà. Donc premier, Pierre Catébras. J'ai pas le nombre de points, mais... Ben si, je dors le nombre de points d'ailleurs. 4 mois et demi. Et toi là-bas. Top. Nickel. Bon. On va prendre la mère et la fille, parce que c'est la mère et la fille qui ont fait le brevet. Ok. Ça a été une chasse, ça a été une chasse, parce qu'on peut le faire. Et le deuxième du concours jeune, qui a eu gagné plus de points sur le parcours Perro, par contre, que le jeune chien, mais qui n'a pas croisé les faisans, c'est Avan, avec M. Bossy. C'est pas Avan ? C'est Gus ! Et pour ça, je l'avais dit au micro. C'est celui qui gagne, Gus. Bravo, félicitations, les jeunes chiens, c'est aussi un con, c'est celui qui jappe. Voilà, écoutez, j'ai plus qu'à tous bien vous remercier. Et une photo générale après. Alors, Midi Libre et notre reporter nous demandent aussi une petite photo générale, donc pour tous qui veulent bien prendre les chiens et tout, n'hésitez pas et venez...
Et serrez-vous, patin, Arrête, alors ce soir la photo qui passera dans Midi Libre et dans les Dernières Nouvelles. Arrêtez, c'est bon. À mon avis, il faut insister sur le dernier secteur, il est vraiment beau.